Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, je rentre d'un atelier, d'une crop que j'ai faite dans ma ville, hein, avec ma copine Nati. Donc c'était un album, on va dire, normalement, que nous devions réaliser en une journée. Bon, moi, je ne l'ai pas tout à fait fini. D'ailleurs, les autres personnes non plus. Je vais vous montrer simplement quelques pages, et puis j'espère vous le montrer une fois que je l'aurai terminé. Donc, c'est juste pour vous montrer les techniques. Alors, une des pages que j'ai faites, là, c'était en pchitant donc la page. Donc, c'est une page aquarelle. Ensuite, avec une mousse, on faisait une croix comme ça. Voilà, pour faire juste une ombre. Et ensuite, on retamponnait. Et puis là, en 3D, on recollait donc une seule partie, c'est-à-dire l'oiseau et puis la petite flèche. Voilà, et puis donc il fallait choisir pour l'album toujours un signe conducteur. Donc moi j'avais choisi simplement voilà ceci. Donc voilà, ça c'est ma fille l'été dernier. Voilà donc. Ensuite, bon c'est une autre page, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Hein. Là c'était au Cap Ferret. Donc voilà, bon, simplement. Un séchage de filets et puis donc une branche et puis là en 3D une petite tente avec une flèche et puis voilà donc en fait j'ai essayé de suivre vraiment le comment dire l'exemple hein, qui nous était donné donc là c'était pareil sur un papier aquarelle on pchitait là on faisait toute la page et puis ensuite avec un pochoir on revenait avec une petite mousse marqué et puis moi j'ai remis à nouveau le signe conducteur et puis sur la photo également. Donc j'aime beaucoup cette photo. Voilà. Et puis là on a fait une page comme ça, donc c'est assez tendance si je puis dire. Une page avec une porte. Donc moi j'avais choisi donc toujours le même papier. Hein. Et puis donc j'ai fait une page sur la mer. Voilà. Et puis donc quand on ouvre la porte, voilà. Donc je suis en photo. L'autre côté, voilà. Et puis là, une petite mouette, un cordon. Donc j'aime beaucoup aussi ce système de porte. Et puis là, c'est une photo. Ma fille avec sa copine. Donc du coup, c'est normal. J'ai caché son visage. Et puis à nouveau, on voit donc le fil conducteur. Et puis donc, pour agrémenter la page, j'ai mis des chapeaux. Pardon. J'ai mis des chapeaux. Voilà, donc je vous montre juste ces quelques pages. Moi, cet atelier m'a beaucoup, beaucoup plu. J'espère vous montrer la fin une autre fois. Nous avons utilisé donc les papiers des ateliers de Karine. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et puis, voilà. Et puis, je vais vous montrer en même temps un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous mets en pause. J'ai reçu ensuite un courrier de Fanfan de la chaîne Fanfan 4 Scrap. Donc Fanfan, je te remercie beaucoup et puis bien entendu, je vais te réécrire et puis t'envoyer ce qui était convenu. Je te remercie énormément puisque c'est vraiment gentil de m'avoir fait plaisir. Donc voilà. Et puis dans ton envoi, j'avais également des ATC. Donc sur le thème de Pâques. Donc, elles sont très très belles tes capsules, en plus ça brille, j'adore. Donc c'est des capsules que tu fais toi. Je pense que c'est peut-être avec un autocollant, un stickers et de la paillette, mais franchement ça rend super bien. Et puis donc tu m'as fait des ATC avec le titre Joyeuse Pâques dans différentes langues. Donc celle-ci c'est la 2 sur 10. Voilà. Alors attends, on va continuer dans la même. Voilà. Ensuite j'ai celle-ci. Happy Easter avec un petit poussin. Et puis une jolie capsule à nouveau avec un petit lapin et puis beaucoup de brillance. J'aime beaucoup. Puis tes papiers de fond aussi, j'aime énormément. Donc celle-ci, c'est la 1 sur 7. Je remonte bien sa capsule parce que c'est vraiment très très joli. Merci pour cette surprise parce que je ne savais pas que tu me joindrais des ATC. Donc celle-ci. C'est en allemand, alors je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas fait d'allemand. Voilà, à nouveau un petit lapin, une petite capsule, du brillant et un petit oiseau.
sur un fond qui est très joli. Donc ces ATC, elles sont toutes perforées, hein, tous les modèles que je vous ai montrés. Et celle-ci, c'est 1 sur 8. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, je la trouve très intéressante parce que tu as mis un dauphin. Enfin, moi, je vois un dauphin, mais je pense que c'est ça. Et avec pareil, un fond pailleté blanc avec un peu d'or. Hop. Et un petit sticker tout rigolo. Pareil, tout pailleté. Et là, c'est. Sur 11. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que tu as voulu marquer. Est-ce que c'est en métaure? Et puis la dernière qui est très très jolie aussi. Hop, j'enlève parce que. Donc là, pareil, Fanfan, elle a travaillé sa capsule en mettant de la pâte, enfin, c'est peut-être de la colle que tu mets, de la colle pailletée, avec un petit stickers fleur, une jolie petite rose par-dessus, deux petits brillants et une petite souris par-dessus. Tes papiers de fond sont très très jolis. Et là, c'est fleur, 1 sur 10. Donc, je te remercie beaucoup pour toutes ces jolies ATC que tu m'as envoyées. Donc, je vais produire aussi pour toi, puisque bah, dans notre échange, entre autres, le fait que je te rembourse, va falloir aussi que je t'envoie un petit courrier, ce qui est tout à fait normal. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, j'ai d'autres courriers là qui vont partir, mais j'ai pas tout à fait terminé. Donc, je filmerai une fois que mes envois seront terminés. Je voulais vous souhaiter un excellent week-end et je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.